Nous sommes, oui, dans un monde de défis. Que serait d'ailleurs le Tour de France sans défis? Sans défis, sans folie un peu aussi, sans doute, il n'aurait jamais existé, il n'aurait jamais été inventé. Les défis permettent d'avancer. Les premiers chaque année à relever le défi, ce sont les coureurs, bien sûr. Mais le défi existe aussi, ô combien, pour toutes celles et pour tous ceux qui travaillent dans l'organisation, pour les hommes et pour les femmes qui réalisent souvent de véritables prouesses pour que le Tour soit ce qu'il est, un géant du monde du sport. C'est vrai par exemple dans le domaine de la communication. Grâce à ces hommes de l'ombre, la grande boucle est en phase avec son époque, et cela depuis bien longtemps, quel que soit le lieu d'arrivée des dates.